mis Battlefield en... mode choisi comme ça. Et ouais, faut aller sur la zone tournament, c'est modé cette vidéo. Du coup, on part sur Battlefield Cloud contre Fox. Ouais. Oui, non, ce sera après. Donc après, je pense un stage assez avantageux pour les perso. Enfin, peut-être le up smash de Fox, je crois qu'il passe par-dessus le plateforme. Et pour Cloud, je crois. Cloud aussi, Cloud ça prend toute la plateforme en fait. Oui, c'est vrai, toute la plateforme c'est pour la remonter. Après, ce qu'on va beaucoup voir avec les deux persos là, c'est les upper strings, tu vois, genre Fox, c'est faire upper sur upper sur upper sur upper avec les plateformes, ça va l'aider. Ouais. Je pense que Cloud peut faire exactement la même chose, tu vois. Ouais, j'ai pas pensé à ça. En tout cas, une game assez pour l'instant avantageuse pour Cloud, mais bon, il y a Suguru qui commence à revenir petit à petit. Ça a été fait. Donc je fais les deux. Là, t'as vu, là, ça a voulu faire un upper là, là encore. Il sait Suguru qu'il va falloir qu'il fasse de upper sur ce stage parce que ça va l'avantager énormément, quoi. Genre ça va être son combo facile, ouais. Combo facile, voilà, exactement. Alors ça, un F-smash un peu sorti nulle part. Je pense qu'il a pensé qu'il allait foncer un peu bêtement, mais... Non, c'est pas le cas. Hein. Ouais, faut pas déconner. Hein. Par contre, quand le gars est à la limite... Hein. Là, il est à 4%. Ouais, là il fait un side... Tiens, je pensais qu'il allait faire side B, tu vois, mais pas sur ledge, mais pendant qu'il était en train de reprendre... Ouais, normalement c'est très fort, hein. C'est intégrable, mais bon, je sais pas pourquoi il le fait. Ouais, bon, une prochaine fois, je pense qu'il va le faire. Ah, j'aurais bien vu le up smash vu qu'il couvre toute la plateforme. Ben ouais, je pensais qu'il allait faire ça aussi. Et non, il a voulu partir sur repère. Mais voilà, il est tellement au-dessus de nous, Maxime, qui fait des coups qu'on s'attendrait même pas, c'est pour ça. Ah ben, d'autres types, non, pas grand chose. Ça se tourne un peu avec le shine. Plus c'est son rituel. Ah ben là, alors là, il a fait F-tilt sans souci. Pas de problème, et ça tue. Il avance, il a pas de la porte avec. Et hop, le side B calé comme ça, pas de problème. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors pour ceux qui se demandent, il n'y a rien de garanti hein, sur les grabs de Cloud. C'est juste du bait. Sauf au tout début, je crois. Sauf à 0%. Non, il n'y a rien. Non, même pas. Ok. Alors, c'est dans le pro sur side B, je pensais que ça marchait. Bien vu. Ouais, le shine qui renvoie la projo. Vous remarquez, Maxime fait toujours deux fois la même chose. Oui, voilà, du coup, je t'ai tout mis là. Ouh, là, c'est dangereux pour Fox. Non, fallait le chercher, là. Ouais, je pensais aussi, c'était quand même une occasion, mais bon, ça a préféré changer la limite qui va devoir gaspiller dès maintenant, en fait, donc c'est assez dommage. Hein. Oh. Alors là, par contre, je fais fou. Ah ben là, fallait y aller. Hein. Non, mais ouais, non, mais y aller. Y aller, mais bon, un peu trop tard, je pense. Parce qu'il a pu prendre ça aurait été mieux un peu plus tôt, c'est vrai. Là, il va chercher sa limite. Ouais, en plus t'as vu la projectile de Cloud, c'est super utile parce que du coup ça bloque le Fox à pas faire l'illusion en fait. C'est son side B. Alors là ça a tenté le smash de chez Fox mais bon. Ça n'a pas su, ça s'est pas passé quoi. Donc à la limite chargé à moitié mais bon c'est pas très important parce que le up smash de Fox qui passe sans problème. Voilà, pas besoin de setup. Et ça t'y bug un peu je pense. Voilà. Ça met toujours Cloud hein, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon de faire un truc là. Ah, ça a voulu faire tout footstool, voilà, c'est pas passé malheureusement. Non, ah, il avait raison quand même. Parce que juste sinon... pile poil assez loin pour pas que ça ne touche. Ouais, juste où il faut, mais sinon il se prenait la projectile, donc pour être sûr, il se dit hop, je prends ça, c'est bon. Ouais, donc là par contre, Frog super léger comme perso, là, c'est très dangereux. Après, un bon edgeguard de Fox sur Cloud et c'est fini hein, la partie. Mais bon, ouais. Là la limite est calée donc bon, ça va pas être tout de suite. Allez, vas-y. Mais non, et hop, ça passe pas. Ça. Ouais, Suguru il a pas essayé de punir. De toute façon, ce coup là, tu peux pas trop le punir. Hein. Et donc, du coup, il a eu raison de rien tenter. Ouh, ce donner qui a pas y passé, ça touchait, ça tuait. Hein. Là aussi, Cloud est à 10%. Voilà. Alors, il va faire comme tout à l'heure, je suis sûr. Il va juste avancer normalement et après, voilà. Il va attendre juste l'erreur, une petite ouais. Erreur de Cloud. En plus, t'as un F-smash un peu. Il y a un problème. Pour bloquer quelqu'un. Ouh. Oh là là! C'était bien tenté la partie bleue. Maintenant, il a mis un peu trop de temps à faire le saut stool. Du coup, c'est pas passé. Il a eu le temps de sauter le Cloud. Après, pour Edge Guard, je sais pas ce que c'est les meilleures options pour Cloud. Est-ce que ce serait le down tilt, le down smash? Ouais, pour smash, alors que ce soit pour le two frame punish ou juste pour les get up. Alors pour les get up... Peut-être un U smash bien placé. Un smash, te dirais. Oh, pas mal. Je dirais plus le down air, tu vois, ou le down smash. Down air. Ouais, après je suis pas un gros joueur de Cloud, hein, donc...
sur le NR. Bah le nerf c'est plus pour Edgeguard, pas vraiment pour le 2 frame. Le nerf ouais, par contre pour Edgeguard ça c'est super fort. Mais après pour 2 frame je sais pas. Moi je regarde pas toutes les vidéos de tous les matchs de Mew Cooking. Pourquoi ça? Bah Smash qui tue hein, allez. J'ai pourtant bien vu l'épée qui touchait les pieds de Fabs mais... Ouais. Peut-être qu'il a touché juste à la fin des frames actives et du coup c'est pas passé, peut-être. Ah c'est peut-être ça. J'avoue je pas attention là sur l'instant. Bon du coup bah une game très prometteuse, enfin première game très avantageuse pour Fox. Pour Fox ouais. Sugiro. Qui est fort ce Sugiro. Alors qu'est-ce qu'il est fort. Alors du coup peut-être changement de stage ouais. Juste Sugiro. On veut juste voir un FR, tu sais le Futsu FR s'il te plaît. Je te montre juste une fois. Hein s'il te plaît, merci. Tac. C'est par ordre alphabétique, donc tu vas. Bon, il y a le plus beau. Ouais, bah t'inquiète. Voilà, on a posé les conditions. Putain. Et donc, non, du coup, il a pas pris, je l'ai pas vu. Ouais, mec, mais. Donc, le Cloud qui passe sur Didi. Ouais. J'ai du mal à dire son pseudo, ouais, je vais partir sur Didi juste. Hein. Didi, juste Maxime. Hein. Ouais, Maxime aussi, allez, pourquoi pas. C'est vrai que c'est grave plus jeune que MX. MXM. Je plais MNM sous cet angle de suite, tu vois. Ah, pas mal le wall jump pour side B après, ouais. Pas mal. Tu vois, sur certains terrains, c'est vraiment pas facile de faire le wall jump. Bah, tu vois, il contrôle beaucoup mieux Diddy Kong que son Cloud. Jusque là, ça a l'air d'aller, ouais. Bah, ça rôle dans la banane. Voilà. Et moi aussi, j'aurais fait pareil. Ouais, c'est vrai que la banane, tu fais pas attention, et puis après, parce que t'as tellement l'habitude de la voir, que peut-être des fois, tu fais pas gaffe, mais après, hop, tu roules dedans, quoi. Donc je pense que là, Maxime a voulu faire un down air pour bloquer le up air qui aurait tué, je pense, de Fox. Et bon, au final, il s'est fait... Enfin, du coup, il est passé à travers, quoi, et puis genre, pas de soucis. Donc la banane, elle est très gaffe, et c'est renvoyé par le Shine. Voilà, ça, c'est très fort, hein. Ça, franchement, juste pour être gardé, ça punit pas... Non, ça les punit toutes les options, en fait. Le F-Smash ouais, le F-Smash de Fox. Aucune idée, perso, là, tu vois. Parce que moi, j'ai joué contre... Attends, comment il s'appelle le joueur de Fox, là, français. Enfin, lui, à chaque fois que je remontais sur le terrain, il me classait le FR. Hein. J'ai tout tenté, hein. La roll, comment ça s'appelle le saut, la tech top normale, l'attaque. Il m'a tout placé. Bah là, tu vois, ce qu'il a placé, c'est un autre smash, écoute. Bien vu de sa part. C'était en chaîne et ça balance la banane. Ah, il doit se dire qu'il va pas mettre toutes ses forces tout de suite. Et encore cet après-midi. Ouais. Après, mieux il fait en poule et mieux c'est. Hein. Là, d'ailleurs, il va vite falloir qu'il finisse là. Maxime, parce que là, du coup, là, il y a ce bureau, tu vois, il prend grave l'avantage sur les pourcentages sur cette stock là. Je pense. Ça a voulu side B sur la plateforme, mais ça n'a pas atteint malheureusement. Tu as déjà un billet de 20. Un billet de 20, ah, non. Non. Et si je le trouve, t'en fais pas, je te préviens pas. Et excellent. Et hop, ça grab, up air. Ah putain. C'est encore, il se prend à chaque fois tous les renvois de banane. Hein. Ouh. Il devrait plutôt faire le drop de banane, je pense que ce serait plus... Peut-être enfin, plus moins efficace, risqué, ouais. Moins risqué. Il n'écoute pas le son. Hein. Volia. Apparemment, on entend le son du jeu en double. C'est peut-être parce qu'il y a la télé. Il faut approcher le micro. Non. C'est chiant, ça coûte la télé en fait. Ouais, désolé, si vous voudriez le jeu en double un peu, ouais, ça cote. Parce que la télé est juste à côté en fait, donc peut-être que vous l'entendez, on est désolé hein, si c'est le cas. Ah ouais, je l'entends dans le casque. Hein. J'entends l'écho de la télé. Ouais, l'écho aussi. Bon, malheureusement, bah, la télé est proche. Hein. C'est embêtant un peu. Ouais, voilà, faudrait mettre la main comme ça, tu vois, et ça protège. Ouais, c'est vrai, quand tu fais ça, en vrai, on entend beaucoup moins. Attends, ouais. On l'entend moins. Il faut que je reste les mains juste derrière le micro, là. Au moins, tu fais les bras un peu, tu vois, tu fais les pecs. Genre, putain, c'est vraiment pas pratique. Hein. Je pense bien. Allez, fais-le, mais non. Putain, je veux le voir moi ce FR tout là. Mmh. On a tous envie de le voir, de toute façon sur Fox c'est le truc qui fait plaisir. Bon, tu as vu ce qu'il a fait Fox? Il a pris la banane, il la drop juste au-dessus
juste au-dessus de Didi, juste pour attaquer. Bon, il s'est fait punir, mais bon, c'est, je pense que c'est quand même le plus simple. Voilà, il y avait l'intention derrière, en tout cas. Bon, surtout que là... Encore. Là, Maxime, il est pas bien. Il a le même pourcentage que Sugiro, et par contre, Sugiro, lui, il a deux stocks, tu vois. Ah, là, ça atterrit sur la banane, donc forcément, là, tu vas glisser, mon petit gars. Ah, fallait peut-être essayer d'y aller, là, choper le Firefox, hein. Non, pas les dash attacks, il faut faire les... Il faut spammer les down tilt, hein. Oula. Je pense qu'il y avait moyen d'éviter cette mort. Ouais, je pense aussi peut-être une mauvaise direction de la part de... Non, il en avait juste marre, hein, de rester sur terrain. Ah, peut-être, hein, écoute. Banane en main, ça grave. Ouais, pour une fois que ça marche. Classique Didi. Ah bah là, tu veux choper la banane, moi je te cours dessus. Ça prend la banane avec la dash attack. Ah, Didi qui s'est arrêté juste devant, du coup il a pas glissé dessus, quoi. Ouh, il a voulu faire... Il tente les trucs, hein, moi je veux voir ça. Il a voulu faire la healer sur zéro, tu sais, où il a mis deux shines à la suite, là, sur les tonneaux, quoi. Allez hop, ouais. F-smash, c'est passé. Ah, il a tenté le rage quit. C'est bien joué. Bravo de la part du Fox, là, et Sugiro. Très bien joué.